Épisode 2, le primat. Sale gosse! Je vous écoute, numéro 1. As-tu fait ce que je t'avais demandé? J'ai retrouvé la fille, mais... Mais vous avez échoué. Vous me décevez beaucoup, numéro 15. Si ce garçon ne m'avait pas distrait, j'aurais réussi. Je n'ai que faire de vos excuses. Seuls les résultats comptent. Peut-être devrais-je vous envoyer quelqu'un pour vous aider? Non, j'y arriverai. Vous pouvez me faire confiance. J'espère. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit pas, genre, je te tango. Comme ça, au milieu de la rue. Mais non, je t'attendais, espèce d'abruti. Tu peux déjà plus te passer de moi. Je sais, je fais cet appel-là à toutes les femmes. Je ne plaisante pas, c'était débile d'aller en cours aujourd'hui, surtout après ce qui s'est passé hier. Et n'oublie pas qu'il a ton sac, il doit savoir déjà pas mal de choses sur toi. Fallait m'empêcher de sortir ce matin alors. Je dormais ce matin. Ouais, j'ai entendu. Tu ronfles toujours comme ça les matins? Tu ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mis en me sauvant la vie. Si je dis ça, c'est pour te protéger. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre meure à cause de moi. Sans vouloir te vexer, je crois que c'est toi qui as besoin d'être protégé. Tu es stupide. Vous l'êtes tous les deux. Cours! Ouais, c'est vrai que tu gères en protection des personnes. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Ça reste à voir. Tiens, quelle surprise. Un primat dans ce secteur. Et moi qui croyais qu'ils avaient tous déserté. Un primat? Adèle, allez vous planquer, je me charge de lui. Tu n'as aucune chance contre moi. Sa grand-mère, comment on peut défoncer. Restons pas là.